moi, toujours en train d'éditer le vlog de Tokyo, qui date d'il y a 2 ans. Alors, juste pour vous update, il fait froid as fuck, comme vous pouvez le voir à mon outfit. Et les autres qui sont en train de s'entraîner, puisqu'ils ont un match de volley, ils sont inscrits à une compète à l'océan. Sauf que j'ai un peu la flemme d'y aller, genre l'océan c'est ultra loin. En plus, je suis même pas invitée dans la team, genre ils sont 3 au lieu de 4 et ils veulent pas que je joue avec eux. Ils ont décidé que j'étais nulle et ils veulent même pas me donner une chance. Tu te sens comment par rapport à ton match là? Écoute, moi j'ai entraîné mon équipe, je pense qu'elle a des capacités, il faut juste qu'elle se révèle. Et une fois que ça sera bon, eh ben, on va gagner le bras, le dé et la tête. Même. On va rester humble, bien entendu, dans notre victoire. Mais restez tune, because il y aura la fin cet après-midi. Valentin, tu te sens comment face à ton match là qui va arriver? On sera éclaté. Ah, mais ils sont pris dans l'oreille. Bon, ça, c'est la surprise. C'est quoi cette surprise là? J'aime bien comment Mathéo est ultra confiant et toi. Il est beaucoup trop confiant, on va se faire exploser. Moi je crois en vous, franchement. Moi aussi, je me suis pas sauvée à distance. Bravo! Je suis fière de toi, Anna. Le cerveau de l'organisation avec Lily. Avec les filles, on va aller supporter les garçons parce qu'on s'est rendu compte que sans nous, ils étaient rien. Exactement. On est en vie. On l'a fait en pas trop de temps, hein, je crois 15 ou 20 minutes. Ah non, ils sont là. Entre les deux. Regardez, c'est bientôt à eux là. C'est BG. Bon, ils ont déjà perdu 2 fois. On va rester humble, bien entendu, dans la victoire. Allez les poires. Et c'est le 4e match pour l'équipe des poires. C'est la tension qui règne. Parce que dans tous les cas, ils ont perdu, je crois. Ils ont quand même beaucoup perdu. Exact. Balle de match, balle de match. Oh, oh, oh. 8-10. 8-10. Et c'est la victoire des poires! Bon alors, vous en pensez quoi de cette victoire là? C'est qui le plus fort? C'est nous les plus forts! Ouais, fait pitié votre victoire, franchement! C'est pas glorieux! On n'a pas perdu! Nous sommes ici avec un joueur de l'équipe des poires, reconnu dans le monde entier. Quelle est votre stratégie, monsieur Valentin? La balle arrive, il faut la renvoyer. Et ça paie! Allons interviewer leur seule supportrice. Anna, plus grande supportrice des poires, que pensez-vous de leur match qui se prépare à venir? Je pense qu'il va bien se passer. Il va bien se passer? Vas-y Mathéo, ça claque hein. Ouais. Oh, encore une fois. 10! 11, 11! Et depuis qu'on est là, vous gagnez, hein. Tu peux boire le micro, s'il vous plaît, merci. C'est la contrainte. Mathéo, capitaine. Alors. Moi, je parle pas aux interviews. Allez voir mes. S'il vous plaît, une exclusivité. Bah écoutez, moi mes services, vous connaissez, c'est du béton, ça rate jamais. Et du coup, ils étaient perturbés. Et à partir de là, ils ont laissé tomber. Bon, ça a renvoyé la balle. On a encore gagné sur un service. Vous avez qu'à être meilleur. En tant que mère des joueurs, vous en pensez quoi? Vous êtes fiers de vos rejetons? Moi je suis assez fière, je pense que bon, la saison n'a pas été facile. Franchement, une année de confinement où on n'a pas pu s'entraîner comme il fallait. Heureusement, ma fille qui est un coach formidable les a entraînés dans le jardin et là je dois dire le résultat est là. C'est fabuleux. Exact. Sans commentaire. T'es pas. Ben moi je suis content. Et mon beau-fils a rapporté cette victoire, hein, je suis très fier de lui. C'est-à-dire qu'on l'a soutenu, à fond. Retourne au sable. Bon. C'est vrai que la saison était difficile, je reconnais. Et en plus le terrain était lourd, il y a du vent. C'est le temps qui est lourd. Comment? C'est le temps qui est lourd. Non, le terrain. Le sable.
Non, mais finalement, avec de la ténacité, des encouragements. Voilà, des encouragements des supporters, bien sûr. Que je remercie d'ailleurs. On se prépare pour la saison prochaine déjà. Et Hawaï, non, l'an prochain? Hawaï. Les JO, non? Ouais. On m'a dit. On ne pas trop exploser à cette compète parce que faut qu'on soit en forme à Hawaï. Dans un an. Le temps de récup, c'est 2 ans environ. Là, ça passe. Un an, on est bon. Tu as changé de stratégie. T'as évolué. Après, renvoyer la balle. C'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie pour votre temps accordé à mon média. Non, bonne journée. De rien, salut. Les renforts sont arrivés. Valentin, on va faire un conseil de guerre. Mais vous avez le droit de changer de personne, là? Non, je pense pas. Peut-être on dit Valentin, il s'est fait mal. Mathéo, pour combien tu fais le AK au début du match? Reste là. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts à parier pour combien pour faire le AK au début de votre prochain match? Sur l'entrée de la glace. Valentin, t'es chaud pour faire le AK au début du prochain match? Sur toi. Dis oui. Bah non, mais non! Allez, poids! Allez! Valentin, êtes-vous d'accord que si vous aviez fait le AK au début du jeu, vous auriez gagné? Non, je pense pas. Et c'est la fin de la réaventure. On se retrouve la saison prochaine à Hawaï. Je suis sûre que je peux y arriver. Attends, reste ça tient. Vas-y, Antoine. Ok, attends, c'est tient pas, mais. Quand c'est pas l'alcool qui tape sur la tête. Mais elle vise loin, tu vois. Regardez-moi ce grand fou, il en fait 16 gorgées. It's 16. Ouais. On fait une photo avec le Polaroid. Today it's raining again. Ouais. It's raining okay. Cats and dogs. So I talk with my dad. And we are eating inside. Fake is stuck with us, so he's really glad of it. He's like, please let me out. Ah yeah, a knut. A node. Yes, but this is in Dutch, knut. Donc ce soir, c'est le dernier soir de Mathéo. On est en grande pompe parce que guettez-moi cet outfit de fifou là. Oh, il y a fake. Parfait. Attendez. Est-ce que ça va tenir? Et ensuite, il y a mes chaussures qui sont assorties. Et là, il y a la chemise bleue. What? He doesn't see the camera. It was so good. He was like waving to the mirror and hello. Hello. Hey, are we going? Fake. Il arrive, il va prendre des chips. Et voilà, ce soir, c'est petite excursion plage avec la famille extendue. Alors, tu vas me dire les Minimoys 1 et 2 là. Minimoys 1 et 2, ça se dit coucou maintenant. C'est vous, Lily et Milo. Ah mince. C'est les Minimoys. Coucou. Please give me signal. I can't open my personnage. Je passe à ma gauche, elle a 6 personnages. Et le dernier, bah, il a pas le choix sur les personnages. Il se fait un peu baiser, mais c'est pas grave parce qu'après ça a tourné. Wow.
Théo a un dernier mot pour ton dernier soir. Ouais, bon, c'est un peu de ta faute. Hein. Tu veux me tacler là? Oh, guys! Oh, ça, c'est de l'organisation, les gars. Est-ce que mes gens ont oublié quelque chose? Très haut là. Je m'attache. Et tu t'assois sur qui là? Val. Sinon, tu te couches en longueur. Ah, oh, tellement! Ah, mais en vrai, c'est, mais pas, franchement, c'est pas si tellement. Comme ça. Hein. Vas-y, attends, vas-y, couche-toi. Je suis au courant. Mais attends, mais il va aller où, Fak? Bah, il va se mettre là. Go and Fak, she's gonna crawl on you. Oh, ouais, okay. Mais alors, il est énorme, arrête. Vas-y, allez. Ok. Oh, you're really lucky. Attends. Yeah. Oh. Vas-y, c'est bon. Oh, ouais, ouais. Mais... Hey, je n'ai pas trop de là, il nous voit. Il est fou. Quoi? I'm just... Et ce soir, ça part à l'UCPA, on est trop heureux. Hey, ils se sentent fort, là. Ouais. Oh, ça va être la folie. Vous avez hâte, les garçons? Ça va être la tarnisse. Oui, oui. Oui, oh, I just stole the vodka. Volé une chaise. And I already drank like this. Regardez-le travailler enfin. Petit cinéma de qualité, nous allons voir Fast and Furious next. No, that's fine like this. I think we're in like that perfect height. That's great. I don't have a green card anymore, so that's important. I need to play safe. I'm scared. You're scared. C'est la bombe? No, I saw it. Oh, Christmas, it's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions.